Ici, c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de Dessalines. Je dois vous dire que le programme de la classe de philo comprend quatre gouvernements: Dessalines, Christophe, Pétion et Boyer. Ici, il y a aussi le régime de Napoléon Bonaparte. On va commencer avec le gouvernement de Dessalines. Le gouvernement de Dessalines a deux objectifs: relever l'économie et protéger l'indépendance. Pour relever l'économie, Fondou, après l'indépendance, c'est seulement terre. Eh bien, Dessalines est obligé de passer dans la terre. Parce que le pays va mieux en passant que le pays a été ruiné par la guerre. De 1791 à 1804, ça fait près de 13 ans de guerre qui a ravagé le pays. De telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement, c'est passer par la terre pour relever l'économie. Mais étant donné que les champs de canne à feu, les champs de canne à sucre étaient incendiés, les canaux d'irrigation étaient brisés, eh bien, il faut relever l'économie, c'est seulement terre en guerre. C'est pour ça, Dessalines, d'après adopter dans la terre la politique agraire, politique d'agriculture, qui avait pour objectif de relever l'économie du pays. En tant que politique, Dessalines a adopté près de 6 mesures. Mes mesures, première, vérification des titres de propriété. Pour qui ça, Dessalines est obligé d'adopter mesures ça? Parce qu'après l'indépendance, il est obligé de faire vérifier pour les gens qui pas pris dans le pays. Parce que tel Colombien a été quitté dans le pays, parce que nous avons chassé le Colombien. Mais Milan, avec Général, pour tout bien Colombien a été quitté. Dessalines est obligé d'adopter le décret ça pour la faire vérifier. Est-ce que les gens qui ont bien nommé, c'est pour vous? Est-ce que des papiers ou bien nommé? Parce que monsieur prend terre colombienne autorité. De telle sorte que Dessalines, l'État, pas joué une terre pour faire travail. Tout le cas colombienne autorité. Des milliers qui disent, ça, c'est papa ou bien que quitté le pouvoir, vous héritier. Généralement, même si vous avez bataille pour l'indépendance, vous prenez ça comme récompense. Dessalines dit, attention, nous avons tous combattu pour l'indépendance. Que la terre soit distribuée en toute justice. Et c'est ainsi que Dessalines a pu dépêcher des agents en province, dans tout pays, pour aller forcer monsieur à remettre terre. Il a vérifié pour vous, vous n'avez pas bien terre, terre après pour vous. Vous n'avez pas bien pour Kala, Kala après pour vous. Vous n'avez pas bien pour nous. Il a pris tout doucement dans le monde, il a fermé pour l'État. Mais juste à rien, vérification de titre de propriété. Forme d'où en passant que mesure ça a mis Dessalines en conflit avec les deux bourgeoisies. Parce qu'après l'indépendance, il y a deux oligarchies, deux bourgeoisies. Une oligarchie mulatte, qui est l'ancien libre, et une oligarchie noire, qui constituait les nouveaux libres. Deuxième mesure qui est dans la politique agraire, il y a le capitalisme agraire. Le Dessalines fait pour un terre, il ferme l'État, ça le capra. Dessalines dit paysans sont des vrais pour le travail. Parce que notre pays est ruiné. Paysans dit Dessalines, nous ne pas travailler. Parce que nous sommes libres. La masse considère le travail comme retour à l'esclavage. Et pas fortune. Parce qu'à l'époque coloniale, il était contre avant beaucoup de fêtes. La Dessalines demande pour y aller travailler. C'est comme si il y aurait Dessalines demande pour retourner dans l'esclavage. Il dit Dessalines n'a pas de travail. Pour séparer tes bonnes. Petit que lié, n'a pas de travail, n'a pas de vivre en famille. Mais question pour notre travail, soit pour Dessalines, soit pour qui que ce soit, Dessalines nous mettrait que ça dans le sentiment paysan, pas prêt à le travail. Dessalines est obligé de voir les soldats dans toute province à le forcer paysan à travailler. Nos paysans n'ont pas de travail. À midi, aux gens, nos paysans ont besoin de nous, ils battent tout bien, battent fort. Et ils n'ont pas de profession, pas qu'à quitter en dehors d'une capitale. Ils battent Marie-Louise, ils battent Marie-Louise 12 coups de bâton. Ils font le paiement 12 coups pour tête Marie-Louise, cachant paysan la calibre de poste. Et ils n'ont pas de profession, ils doivent être en province. Mais juste à Dessalines appliquée contre Massacre de Caporal Smaga, quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure a pour objectif de forcer la masse à travailler la terre. Et nous avons oublié bon objectif, première mesure, c'est vérification des titres de propriété. Quel a été l'objectif de la vérification des titres de propriété? Cette mesure a pour objectif de nationaliser tous les biens appartenant aux anciens propriétaires. Dessalines dépose des mesures et il fait tout bien, ça a retourné bien d'État. Troisième mesure qui est dans la politique agraire, c'est le système de cas. Système de cas, Dessalines. Les Dessalines sont prêts à récupérer pour l'État parce que Dessalines est le premier monde qui prenait le communisme. Ça veut dire tout bien pour l'État. Quoi ça? Et puis, il dit, l'État va la fermer. Principalement, généraux, il n'y a pas fermé. Mais Dessalines dit, l'offre n'a pas fermé. On va payer pour terre. Le paiement se fait en nature, non pas en espèce. On n'a pas besoin d'argent. Mais l'offre n'a pas fermé. C'est ou même qui met terre, mais c'est l'État qui a pris, j'en vous paye. Dessalines dit, s'il vous plaît, mais qui vient ça faire? Il y a un monde qui a fait mon terre, c'est pour vous. Si c'est moi qui cultive ce sol là, je récolte mon là, s'il vous plaît, fais-le faire 4 lots. On va payer l'État, on l'a. On va payer gérant, on l'a. Ou même qui se met terre, ou après yon.
Vous voyez, c'est le système d'un cas. Un cas de la récolte revient à l'État, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur. Ça, c'est la troisième mesure. Quatrième mesure, interdiction de vendre du clairage et du bois du campage. Cinquième mesure, la fixation du droit des douanes à 10% aux produits à l'importation et à 10% aux produits à l'exportation. Douane fixée 10%, même si on peut importer produits, ça veut dire qu'on peut rentrer marchandises dans le pays, on paye douane 10%. On peut exporter produits, ça veut dire qu'on peut envoyer marchandises vendre à l'étranger, on paye douane 10% toujours. Ça, c'est toutes ces mesures. L'importation doit être effectuée à égale répartition sur toutes les produits, sur tous les produits. Ça veut dire si c'est café, on va exporter, on va voyer vendre. On va voyer vendre café, coton, c'est 1 tonne, on va voyer vendre dans chaque. Et ça, l'on fait ça pour monsieur pas favoriser les produits sur l'autre. Parce que les produits ont été plus que mes ventes dans le café. De telle sorte que, mes soutiens de politique agricole, en forme de vie, pas observé. Il y a ce monde qui est plus en rébellion, les mulattes. Mulattes au côté, dans le sud. Eh bien, bah, son mulatio, c'est dans le sud. Dessaline apprend que mulatio en rébellion. Et c'est ainsi que Dessaline décide à le faire tourner dans le sud. Dessaline quitte Machin à la tête du troupe. Là, le font tourner dans le sud. Exactement, là, il va. Et avant d'entrer au Canada, dans le sud, il va se jacquer dans le sud-est. Là, il va, ça a été dit Dessaline nécessaire. Tiens, messieurs, n'a pas de papier. Caille, n'a pas de papier. Dessaline dit à Jean, pour qui fait ça? Il dit, tiens, ça, c'est pour un commandant. Caille, ça, c'est pour un général. Et ça, c'est pour un mulat, lui, dit, papa, le bloc, quitte le pouvoir. De Saline dit le moi, nous le général commandant Milan. De Saline dit, monsieur, m'basser l'autre, nous pas observer. Quant au rogue, si c'est de Saline chiré pour l'être, le mettre au simple soldat. Quant au Milan civil, de Saline mettre en prison. Ça pour le battre, lui battre tout. Bagaille qui tue de Saline net. Il était interdit dans la politique agréable. Interdiction de vendre du clair et du bois de campèche. Le de Saline, il veut jamais lui être doux clair et du bois de campèche net. Ça veut dire qu'on sort de commerce clandestin, monsieur, a fait avec Américain. Bah, ça a tué de Saline net. Il voulait bois de campèche. Il voulait doux clair. Il voulait moun qui tape vendre clair. Libou les magasins, côté clair au tap vendre, li bat garçon, touye garçon, li chire pour l'autre garçon. De sa ligne, faut paquet de dégâts, Jacques Mel. Après ça, l'entre au cas, là, continue de dégâts. Même que dégâts, elle te fait Jacques Mel. Li continue au cas, bat garçon, touye garçon, boule bagot, chou paquet de dégâts. De sa ligne, tellement fait dégâts dans la suite. L'elle a quitté au cas, l'elle a dit, Tigouaf. De sa ligne dit, Lama, tapé la mer. Lama était le commandant de Petit Bois. Lama dit, président, ça, parce qu'elle dit, nous tapé la mer. Parce que nous sommes dans la suite, nous sommes fait dégâts. Bagage d'où la main, vous êtes bad garçon. N'est-ce dans le sud pas observé samedi, même si dans le sud, petit garçon, vous êtes cassé maintenant. Bad garçon, boule garçon, tuer garçon, boule bois, campagne, boule magasin, chier pour l'être nec. Guidi la main, tellement sot fait des gars dans le sud. Si les habitants du sud ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Tenez bien, le passage de Dessaline dans le sud représente la cause occasionnelle de sa mort. Alors que les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessaline. Mais pour exemple, vous comprenez. Notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessaline. Je vous encore. Si on donne un examen, ben, deux causes fondamentales de la mort de Dessaline, entraîne dans la politique agraire prend deux mesures, dit vérification des titres de propriété, capitalisme agraire, etc. Si on dit ben, deux causes, et deux mesures dans la politique agraire, c'est la même question. Par exemple, j'ai un problème avec un monde, mais j'ai beaucoup battu avec lui. Un jour, je l'ai passé par la carrière, je me frappe. Parce que je me frappe, il fonçait dans le connaissement. Action qui fait foncer dans le connaissement, c'est lui qui occasionne l'événement. Tenez bien. Problème de dégâts avec déjà, il y aurait des causes profondes ou fondamentales. Problème de saline dégâts avec nous, déjà, c'est mesure qui est dans la politique agraire. Ça veut dire toutes les mesures qui sont dans la politique agraire, tu es déjà mettre de saline en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le capitalisme agraire, tu es mettre de saline en conflit avec la masse. Vérification des titres de propriété qui mettent des salines en conflit avec la bourgeoisie, de telle sorte que dans la politique agraire, on trouve les causes profondes et fondamentales de la mort de Dessaline. Quelle est la cause occasionnelle de la mort de Dessaline? C'est sa tournée dans le sud. Dessaline mourit par un monde qui fait cas de lui. Parce que Dessaline a été rejeté par la masse et combattu par la bourgeoisie. Son monde fou qui a enterré Dessaline, défilé. Non, Dessaline fait 40 ans, par exemple, cité. C'est juste en 1845, le président Pierre dit moi-même, pas rentrer dans la communauté. Dessaline, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierre ordonne toute l'église catholique en général pour célébrer messe de Requiem en l'honneur de Dessaline qui fait nom de Saline Bellevue cité après 40 ans. Étant donné que, après, et forme de ça, qui est-ce qui doit remplacer Dessaline? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sur le plan de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'armée. Ça veut dire que celui qui doit remplacer Dessaline. Négmi, là, dans l'Ouest, dans le sud, comme ça. Christophe quitte le cap, là, le marchand, quand Madame Dessaline Clareuse, là, le conseil de Clareuse. Christophe dit Clareuse, on met 6 jours sans. Moun qui tue Maou, yon m'connaît. C'est Négmi, dans l'Ouest, Négmi, dans le sud, qui fait combinaison de tuer Maou. Il dit Clareuse, l'armée du Nord est encampée. Ma prêle rentre dans l'Ouest, ma prêle rentre dans le sud. Ma prêle
fait monsieur yo rendre sans maou yo bre. Ça c'est ça Christophe se déclareuse. Mais Milat n'a l'os n'ensuite pas indécis. Yo connaît Christophe a vint réclamer pouvoir sous prétexte la vint venger des amis. Il s'en fait. Yo prend le général Bonnet, vous on l'a dit Christophe. Ça vous voyez dit Christophe. Yo voyez dit Christophe, je dis à Desalines mourir. Nous les Milat de l'ouest et du sud, nous reconnaissons que Desalines est mort. Mais nous reconnaissons aussi que Christophe est mieux placé que nous pour remplacer Desalines. De ce fait, nous les Milat de l'ouest et du sud, nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Ouais ça, monsieur le maître Christophe pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur le maître Christophe Pouvoir. Mais il dit Christophe, en attendant qu'on fait l'élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir la constitution, nous répondons tout comme président provisoire. Monsieur le maître Christophe Pouvoir, mais c'est un piège. Christophe prend un quoi et pas faute lui. Christophe connaît dans le nord et 33 paroisses, l'ouest avec sud 26. Si il n'y a pas choisi un député par paroisse, il y a 33 députés. L'ouest avec sud, à bord 26 députés. Eh bien, il y a bien compté, mal calculé. Élection a commencé dans l'ouest. Les salines nous en octobre, 17 octobre. Élection commence en novembre, 10 août à décembre. Mais si on fait magou dans l'élection, d'après Louis-Joseph Janvier, il dit nous ne pouvons jamais faire l'élection qui est plus gros magou que l'élection de 1806. Qui s'est mis là tout fait? Nèg dans l'ouest, nèg dans sud, choisit deux députés dans chaque paroisse, l'ouest avec sud. Au lieu, l'ouest avec sud, bon 26. Députés libres, 52 députés. Alors qu'ils ont toujours choisi un seul dans les paroisses du Nord, Christophe est à 33. Quelle est la fraude électorale de 1806? La fraude électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les paroisses de l'Ouest et du Sud. Pas jamais oublié ça. Après, on finit de faire fraude, là, il y a une majorité de députés, ils ont été besoin. Il y a 52 députés pour former une assemblée constituante. Qui voit nos constituantes? Constituantes là pour faire loi, pour établir une constitution, c'est ça qu'on a dit. Ils ont monté la constitution en fait. Mais comme il y a 52 côtes, tu as voté pour le Milan contre 33. Toute loi vient d'intérêt, ils ont orienté la constitution en sens pour le pouvoir. Même l'assemblée constituante, avant l'aller, il vient pour choisir un sénat de 24 sénateurs. Exactement. Ils ont choisi choisir un sénat qui a 24 sénateurs. Tu as bien ça, moi, là. Dans 24 sénateurs, il n'y a pas une qui sorti dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est nègre dans l'ouest, nègre dans le sud. Toutes ces mulates. Après ça, ils ont rangé la constitution en sens pour reprendre le pouvoir dans le Christophe. À partir de la constitution de 1806, Christophe devient président théorique. Regardez sa constitution, on dit. C'est le Sénat qui a le droit pour nommer président, d'après la constitution. D'après la constitution en tout, le Sénat a le droit pour corriger président. D'après la constitution en tout, le Sénat a le droit pour révoquer président. Là, on a posé une question. Est-ce que le Milat avait vraiment établi la démocratie après la mort de Dessalines? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Les Milat avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. Au lieu de démocratie, les Milat ne font qu'établir une dictature parlementaire. Christophe devient président théorique. Ça, ouais, les gars, pas de démocratie, c'est son premier aspect. Vous connaissez tout le monde par le même sentiment. Dès que vous représentez Christophe qui veut assister à l'élection, il va pas digérer ce qu'il fait. Il connaît le chevalier de l'entraîneur. Non. Là, lui veut dire président Christophe, il n'y a pas parole pour. Christophe dit, il connaît ce qui passe. Il connaît dit président, rentre, je vais expliquer ce qui passe. Il connaît dit président, en tout premier lieu, avec président, maître tiré ça ensemble. Soit président à président, non, la caille. Mais sous territoire national, là, non. Je vais raconter ça, monsieur. Il connaît dit président, vous avez bien pour te faire de là. En tout premier lieu, monsieur choisit deux députés par paroisse. Il y a 52, ou même il y a 33. Après ça, on monte à l'Assemblée constituante avec 85 députés. Comme des 52 qui ont voté pour, ils ont rangé la constitution en un sens par eux, ils ont repris le pouvoir. Même l'Assemblée constituante, sa présidente, d'après la constitution, il établit un sénat de 24 sénateurs. Président, attendez ça. Pas qu'un sénateur qui sortit dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est mulat rouge, président. Ça, c'est un. Deuxièmement, président, attendez bien ça, me parle constitution a retiré le pouvoir en un mais on net. Attendez ça, le dit. Premièrement, d'après la constitution, c'est le Sénat qui a le droit pour nommer qui est ce qui doit président. C'est un. Vous connaissez le deuxième président. Où est-ce que c'est octobre président? Comme ça, papa, j'en fais encore. Le Sénat a le droit pour corriger l'élève d'après la constitution président. Vous connaissez le troisième président. Où est-ce que c'est président? Comme ça, papa, j'en fais mon président. Malheureusement, je regrette ça. Le Sénat, d'après la constitution, a le droit pour révoquer le président sous la ministre. Vous connaissez le Christophe, où est-ce que tu as accepté le Sénat? Sénat, tu as président, ou même dit président, ou tu as vu une caporal. Christophe dit, est-ce que son problème sérieux vient raconter maintenant? Il connaît dit président Bassou. Fait deux jours son cheval sur le porte-presse pour venir dans le nord.
pas qu'à venir raconter pour une barre de gens. Je viens de ça, moi, parce que je pas décidé de prendre l'argent. Parce que il y a Christophe qui voulait assister à l'élection, pas venu. Christophe dit, bonne merci. Christophe dit, tout soldat, mieux qu'un homme. On va rentrer dans l'ouest, on va rentrer dans le sud. On va battre nous là pour coquin, pour vicier, pour gangou, pour voler, pour souffler en tout. On va marcher sous fiel, on va piétiner. Christophe dit, vous ne pas être devant nous là, s'il vous plaît. Gardez l'ange, tronc ses couilles. Vous ne pouvez pas parler à nous là. Parce que tous ces coquins, tous ces volets, la mer du Nord de 18 000 hommes, pas besoin de tout. Alors que la mer de l'Ouest et du Sud était composée seulement de 3 000 hommes. La plus grande armée était concentrée dans le Nord. Les Salines ont fait ça parce qu'elle n'a pas fait 1 000 hommes de confiance. Et finalement, 18 000 hommes décident de quitter le Nord pour entrer dans l'Ouest. Depuis que Christophe a prêté ce mac, la pouvait être 1 000 hommes. Quand 1 000 hommes devant Christophe, il dit ou même, ou t'es dans la combinaison d'élection. Il trouve ses coups. Reste 1 000 hommes qui se mettent, ils rentrent à la caille, ils rentrent à la caille, les survivants. Il est arrivé à Kaye, il dit que Kaye est son milat qui a dirigé le général Bazley. Il est arrivé à Kaye. Il dit que le milat reste milat qui est à Kaye, le général Bazley principalement. Il dit que Christophe, si vous avez fait faire vite, parce que Christophe derrière, c'est quand on tempête, c'est garder le gars de milat quand je le tronçais coup. Reste milat qui est à Kaye, pas fait dire. Il prend tout reste milat, Bazley prend tout reste milat, il est rentré pour le prince. Il est arrivé pour le prince, il est pour le prince, tout battre la bataille. Le Bazley parle pour le prince, il dit monsieur, si vous avez fait faire vite, parce que Christophe dit qu'on a un tremblement de terre à brûler. C'est marcher là, marcher sous Milat. Les gens ne peuvent pas faire du tout. Il y a aller à Sibé, il y a aller monter en résistance pour autant de Christophe. Exactement, 1er janvier 1807, Christophe paraît devant Sibé. Armée de 18 000 hommes, canon, chat de guerre. Pas besoin d'où. L'armée qui composait la résistance de Sibé était composée de quelques centaines d'hommes. Christophe dit monsieur, montez quand on efface ça au moins. Donc il faut montrer dans l'ouest, il faut aller dans le sud. Il faut aller faire Milat tant de raisons. Pas besoin tout. C'est marcher qui se fait marcher sur eux. À mesure que Christophe a tiré là, l'armée de l'Est battait en retraite. Ça veut dire, à mesure qu'il a tiré, il a fait back. Christophe a marché sur le canot. Il a fait back. Christophe a marché sur le canot. Il a fait back. Christophe a marché sur le canot. Cheval paye son pour un bal dans la bataille cyber. Christophe dit, nec, ça va cacher pour ça dans la tête. Il a ses bétons tirés. Pendant que tout soldat visait béton pour tirer, bon soldat qui a le coutilien couta. Il passait le prêche à vos bétons, il met la tête. Il a tiré coutilien couta dans la place béton. Même 1er janvier 1807, là, Christophe Guetta a assiégé Port-au-Prince. Chantemasse, à l'époque, était les grandes savanes. Toute zone ça a été assiégée, zone cathédrale. Mais chance pour Port-au-Prince, mauvaise chance pour Christophe. Port-au-Prince, c'est une zone stratégique. Montagne de la Chardonnière, qui est là dans le monde l'hôpital, qui barre Port-au-Prince, et plus la mer. Monsieur Monto en cache-cache, et puis, qui fait Christophe pas qu'à dénicher résistance qui est en bas de monde Fontamara. Faut Christophe, c'est deux stratégies pour le temps utiliser. Faut le temps de gagner un bateau de guerre ou bien le temps passer sous monde. Non. Il n'y a pas de bateau de guerre et passer sous monde, n'est pas facile. Faut tout en la saline et faut porter Saint-Joseph. Saint-Joseph, il n'y a pas de dénicher. Et il y a la marine haïtienne, faut bisoton. Comme son seul entrée de poil dans le sud, la bataille n'est pas difficile pour Christophe. Et c'est comme ça, après 7 jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après 7 jours, Christophe demande des soldats pour retourner dans le Nord. Et c'est comme ça, le 7 janvier 1807. Pendant que Christophe a tourné non, il est arrivé Saint-Marc, il traçait limite lui. Et il est arrivé au Cap, il nommait tête lui président. Après ça, il a pris le nommé tête lui roi. Ça, c'était le royaume du Nord. Et finalement, c'est là qu'il doit vous nommer président. D'après le répétition, vous voyez ça le 9 mars 1807. Vous voyez ça, tu as commencé à cailler jusqu'à ce que arrive Jérémy. Ça, c'était le gouvernement de l'Ouest. Le pays a divisé. On est pour une petite question. Quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire? La bataille de Sibé. Donnez deux causes fondamentales de la division du territoire, la mort de Dessalines et la fraude électorale. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Sibé? La fraude électorale de 1806. C'est quoi la fraude électorale de 1806? C'est que le nombre de députés a été doublé dans les paroisses de l'Ouest et du Sud. Tel un des besoins en question, on dit, est-ce que Milat est démocrate? On dit premièrement, parce que le Milat avait concentré tous les pouvoirs au Sénat. Et le Sénat était composé de 24 Milat. Au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire. On parle de dictature quand il y a concentration des pouvoirs. Quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution. Entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs? Au Sénat. Le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat. Parce que c'est Sénat, constitution, à droit pour nommer, pour dire le vote. Non seulement président, quel que soit l'autre monde qui vient après président. De telle sorte que le président devient libre. Ouais, Milat, tu te vois, l'aide par Christophe et Diopral. Par le général Baudin, on te dit qu'on va établir la démocratie. Mais n'est-ce pas démocrate? Deuxième volet, question, on va montrer qu'on va démocrate même. Est-ce que le Milat peut être démocrate? On va expliquer un petit détail dans l'histoire, ou après, et que monsieur va démocrate. En décembre 1808, Sénat va l'aide par Pétion en parler.
Je voulais reprocher Pétion de saleté de faire le bafin. Je voulais convoquer tout pour venir dans le rapport de ça le fait. Pétion qui a un soupçon que le Sénat a pris le révoquer, il débarque dans le Sénat toute la même. Lorsqu'il vient dans le Sénat, bien fâché, Pétion dit sénateur, on question mine posée nous. Le sénateur dit, mais président, n'a pas tant de. Pétion dit, m'a dit, non, tu vas. Moi, je vais l'être pour moi. Le sénateur dit, oui, nous voulons l'être pour moi. Parce que vous avez un an et demi de pouvoir diriger. Ou avez un pouvoir dans mon début. Mars 1807, nous en décembre 1808. Nous ne pouvons pas trop de bagarre ou faire. Nous voulons l'aide par vous. Vous venez nous rapport de son frère. Et aucun tour pas qu'à bon rapport président. Parce que nous avons un autre sérieux de temps. Et tu as dit, sénateur, sur question, tu nous poses bien mauvais. Sénateur, tu as dit, président, nous avons tout. Et tu as dit, bon, dis-nous, tu bagarre. Dans petit bout de terre, ça me baille sans poudre. Je prends balle n'importe 5 fois, me blesser dans la guerre pour lui. D'après nous-mêmes, qu'est-ce qui préside dans la guerre? Sénat ou moi-même, petit. D'ailleurs, nous avons une réponse là. Qu'on y a? Sénateur, toujours gardé son frère. Il a dit, président, c'est au président. Parce que c'est le Sénat qui est bon pour. Il a dit, mais toi, c'est pas. Ou même qui peut poser le Sénat la question. C'est le Sénat qui a bien posé la question. Parce que tout récemment, là, sénateur est le bon pouvoir. Mais qu'on y a, c'est eux-mêmes qui vous demandé qui est le président. Il a dit, mais toi, regarde la fâche. Sénateur dit, mais toi, nous trouvons un gars. Pas oublié. C'est pas eux-mêmes qui sont président, c'est Gérin qui est le président. Parce que c'est Gérin qui est président du Sénat. Mais mon projet de loi sous finance nous avons voté. Un matin nous réunis là et puis nous avons voté loi. C'est ton loi sous finance. Je n'ai pas d'accord. Comme c'est seul, je n'ai pas d'accord. Il était 24 sénateurs. Nous 23 votés. Pour prendre tout le détail du président. Et puis comme nous 23 votés, j'ai rien quitté l'assemblée. Le livre de l'art tombé font paquet, etc. 10 bêtises. Ou est-ce que machin de poisson. Et bien, sénateur, dit bon, on individu qu'on ça va qu'un président au pays. Et c'est ainsi que ou même ou pas même là, on était tout malade pour chercher la cabane dans la cabane. Et puis nous décidons de voter au bon président. Et qu'on y a, regardez, j'en viens paraître devant le Sénat, on vient. Grand merci, cher coup de bâton. Regardez, j'en viens aussi ou qu'on y a devant le Sénat, on vient grandir. Regardez, j'en parle avec nous. Sénateur dit, ben tu es bon. J'en viens à l'écran, c'est la pression. Jean-Pierre Bois a tombé à l'écran, c'est un coupé. On vient brutalement, Sénat a pression, brutalement tout président. Il a dit, Pétion, regarde, oublié. Ce n'est pas dictature, non, Sénat, c'est d'après la loi. Regarde, oublié, Pétion, c'est la constitution de défense qui bat le Sénat doit pour nommer, corriger, révoquer le président. Et tout le monde, quel que soit l'autre monde. Il a dit, bon, Pétion, mais ça n'a pas de temps de mots par là. On va faire geste ça, bon. S'il vous plaît. Au nom de la loi, qui va nous droit pour nommer, corriger, révoquer. S'il vous plaît, là, il vient de parler à la résident. Fais geste solennel, ça. Ramassez pas que tout parce que le Sénat va révoquer. Et tu regardes calme, regardes sans froid. Mais tu dis bon, entendez-nous. Mais comme il y a deux mouns à parler, il faut quitter une fin de parler après ça pour parler. On y a, je ne réponds pas. Parce que je ne pas tout pour me dire. Et tu dis, je vais nous faire du silence pour entendre. Et tu dis, attendez, ça me dit. FIFI, NIM, sera CETA. C'est la dernière fois que ton président Chitana parle à la calme, paisiblement. Quand il a vivre. Ou des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, réels pour manquer le dégât sous ton ça. Ou de respecter le niveau, ça. Pendant que tu as parlé, c'est garder mon garder, ouais, sénateur, passer dans la fenêtre en bas de ça. Mais tu as brisé le sénat. Mais tu as dit, soldat, je vais pas tirer sur eux, mais tirer dans mi. Tu as allé. Là, tout sénateur final, mais tu as pris un gros cardinal, c'est pour le sénat. Mais tu as fait 4 ans avec pour ça, frère. Quoi de plus dictatorial? Deuxième volet question, est-ce que le ministre était des démocrates? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Deuxièmement, parce que c'était le ministre qui avait brisé le Sénat. Briser le Sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la Constitution. Pétion devient dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Deuxième partie, nous avons deux gouvernements en présence, le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. Et nous avons toujours étudié une enfant. Nous décidons pour le gouvernement de Pétion. Et la politique agraire de Pétion, il y a trois mesures là-dedans. Première mesure, elle est donation des domaines. Deuxième, c'est don des domaines. Troisième, c'est vote des domaines. Donation des domaines. Pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulâtres les terres enlevées par des salines, par la vérification de titres de propriété. Au cours des salines, tu prends terre, tu fais un bout de temps. Eh bien, comme il était écrit dans le document créant les résistances à l'oppression, qui ça a dit dans ce document? Nous avons coupé l'arbre de l'avilissement. Propriétaire, vous serez rentré en possession de vos biens. Exactement. Mais j'ai décidé de rebâtir toute mulâtre de salinité planteur sous prétexte que de salinité fait injustice, de salinité planteur illégale. Et c'est comme ça. Mais juste après les donations des domaines que tu as adoptées, c'était pour bail
ni là tu étais, ni là t'as prêté quand couche un fou, car tout ça rejoint parce que y a des faveurs du gouvernement, y a prêté. Pas oublier cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie milate. Vous voyez, Petro décide de construire par cette mesure une oligarchie milate. Y a prêté. Mais prenez à prêter, forme de ça, mais juste après l'engendrer au bagage. Qu'est-ce qu'elle va l'engendrer? C'est la protestation des paysans. Paysans ont levé campé. Paysans ont dit, tiens, ça, on a travaillé là-dedans depuis l'époque coloniale. Je dis, si Petro a séparé, il faut Petro par les paysans en tête. Ça, c'est une bonne revendication. Mais le gouvernement n'a pas de intention de tout le monde. Il a de intention de restituer l'oligarchie qui a été brisée sous des salines. Et finalement, les paysans n'ont pas de force pour combattre avec le gouvernement de Petro. Mais, bon, il y a un passé. Il y a mesure ça, la a engendré la division de la Gandosse. Ah, qui est-ce qui a engendré la division de la Gandosse sur le territoire de Petro? C'est que les paysans, pendant la bataille, ils ont joué un bras fort. Qui est-ce? C'est Goman. Paysan Jérémy au Bajon, Goman, comme l'homme bravo. Qui est-ce Goman? Goman, son ancien Negmaon. Le plus en ouverture, t'as battu André Hugo. Goman, t'as bataille pour André Hugo. Mais le plus en ouverture, déporté André Hugo, Goman, t'es venu prendre bois pour lui. Après la déportation de tout en ouverture, Goman vient intégrer dans l'armée des Salines, l'armée indigène. Et après la guerre de l'indépendance, pour récompenser Goman, parce que le débat en ville, les Salines étaient normalement chef de bataille. C'est ton plus un Negmaon qui était sous commandement près de 5000 nègres. Et après la mort de Dessalines, comme Dessalines était fait de bagarre pour Goman, Goman décidait de venger Dessalines lui-même. Il dit que c'est l'aile où est Dessalines, la suspend bataille pour Dessalines. Et finalement, comme Petro décidait de battre avec Goman, et Goman prend bois pour lui, pas oublier. La monsieur était avec Christophe Pouvoir, c'était pour combattre tous les partisans de Dessalines. La question, ça ne va pas être. Pourquoi les mulattes avaient confié le pouvoir à Christophe? Il y a plusieurs aspects. Pour ça, c'était pour combattre aussi les partisans de Dessalines. Parce que dès qu'il y avait Christophe Pouvoir, Christophe allait aider au combat les partisans de Dessalines. Et pas oublier, c'est Christophe qui a tué Kavala la mort. Gomani, même, il prend Gouabouli. Gomani a réfugié Jérémy. L'arrivée de Jérémy, habitant Jérémy, il dit Gomani, bienvenue. Parce que nous avons un problème déjà avec le gouvernement de Tchouan. T'es ça, non, mais nous pas baillons. Habitants, ça a été les riches têtes de café de la région de Plimou. Quand j'ai mis son zone qui fait un peu de manger, ils ont dit nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est ça. Comme les paysans ont des armes, c'était bout de manchette qui était normal. Les Romains paraissent dans la tête mouvement. Ils étaient bien contents de recevoir Romains. Et c'est ainsi que habitants Jérémy, ils ont tout placé Romains dans la tête mouvement. Ils ont tout nommé Romains gouverneur de Jérémy. Et depuis le ça, Jérémy, il est censé être indépendant du gouvernement de Petro. De telle sorte que Petro perdit le gouvernement de Jérémy. Et le mouvement Romains a été confondu avec le mouvement paysan. Qui savait ils ont réclamé? Ils ont réclamé terre par yo que Petro baille par cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Et Goman t'a réclamé vengeance. Et c'est ainsi que pendant toute temps Petro, de 1807 à 1818, Petro n'a jamais livré entre Jérémy. Toute guerre Petro fait, tout soldat, toute l'armée Petro voyé à combattre Goman, Goman Petro toujours perdu. Et forme de ça, Petro n'a jamais fait, un mois, c'était une guerre perpétuelle. Mais il n'y a pas de chambre qui arrive. C'est Boyer qui a remplacé Petro en 1818. Et en 1819, c'est Boyer qui a privé entre Jérémy combattre Goman. Maintenant, le gouvernement de Petro est divisé. Maintenant, il a perdu Jérémy. Avant de rentrer dans notre détail, forme du gouvernement est divisé encore. Il a perdu les cailles. Qui est-ce qui a perdu? Question ça a posé l'enfant. Qu'est-ce qui a engendré la division de la Gandosse? Ce qui a engendré la division de la Gandosse, c'est cette mesure qui s'appelle donation des domaines. Cette mesure qui vise à redonner aux mulâtres les terres enlevées par la vérification des titres de propriété. C'est cette mesure qui a engendré la division de la Gandosse. Et avant d'être dans notre détail, nous avons notre division, c'est les cailles. Qui a engendré la division des cailles? Avant de répondre à la question, nous avons dit qu'en 1810, André Hugo est retourné dans le pays. Lorsqu'il est retourné dans le pays, Petro était bien recevoir André Hugo. Parce que, pas oublier, André Hugo, c'était ancien général Petro. Tout le André Hugo tape bataille avec et tout ça devait être la guerre du Sud. Là, ça, Petro, c'était officiel de la mère André Hugo. Mais comme tout ça, devait être déporté André Hugo. Et André Hugo t'a retourné dans le pays et avec l'armée expéditionnaire, l'armée de l'éclair, qui t'a vu combattre tout ça, il était déporté tout ça. Le fun dit, il était retourné avec André Hugo pour André Hugo te barre au renseignement. Mais on t'a trompé, Mulatio. On t'a dit, dès qu'on finit de déporter tout ça, il y a pris mettre pouvoir dans le même pour sa systématique. Et finalement, le premier monde a déporté, l'éclair déporté, avant de déporter tout ça, on déporte André Hugo.
C'est ça à tout, monsieur Devinois, que l'expédition va être terminée. C'est ça que tu as dit, c'est Pétion réuni à la carrière avec les Allemands, vous faites unité. Maintenant, ça me veut dire, c'est que André Gros retourne dans le pays en 1810, parce que l'éclair était déporté. Là, il retourne, Pétion recevra le palais comme ancien général. Et puis, il fait fête pour lui. Dans le but de combattre Gomon, la table a nommé André Gros commandant du département du Sud. C'est à vous une question, ça. Pourquoi Pétion avait nommé André Gros commandant du département du Sud? On a dit que c'était pour combattre Gomand dans la grandeur. Parce que André Pétion connaît André Hugo, c'est ancien général sud, il connaît ça bien. Et s'il nomme le commandant, la privée et d'elle combattre Gomand Jérémy. Mais malheureusement pour Pétion, l'André Hugo arrive au Caï, pas bien que ça a toujours utilisé le pouvoir. Reste sénateur, pas bien, Pétion t'a brisé le sénat. Reste sénateur qui est au Caï, il dit André Hugo, sous besoin rentrer. Au cas où c'est passé là, vous passez parce que d'après la Constitution, c'est Sénat qui doit nommer, corriger, révoquer. Et finalement, André Gros était déjà besoin de pouvoir, il passait par les sénateurs. Parce que dans le cas du Sénat, c'est 5 sénateurs qui étaient pour Pétion. L'autre 19 août, il a réfugié dans le Sud. Et finalement, les sénateurs, je suis avec André Gros, ils ont nommé André Gros président des cas, André Gros a accepté. Et il a divisé en 3 en 1810. Fondou, division, ça a duré 2 ans. Parce qu'en 1811, André Gros a blessé. Dans la bataille, il a fait avec tout Pétion sur le pont de Miraguane. Il était blessé mortellement, c'est lui qui finit tuer tête. Mais, il y a un autre général du Sud qui était en place, André Gros, c'était Borgela. Borgela ne vient pas à Kembeguerre parce que les cas déclarés étaient indépendants, pas de manger, vient de Gogou. Finalement, et Borgela va à Kembeguerre. En 1812, il a parlé de Pétion, il a bâillé Pétion les cas. Et peut-être ça, Pétion a fait Borgela cadeau. Et l'habitation Christine qui était évaluée à 2000 carreaux de terre. De telle sorte que division, j'ai mis en arrêté. Nous consacrer à engendrer, c'est la mesure des donations de domaines à notre papa Pétion. Et qu'est-ce qui a engendré la division des cailles? C'était la façon dont Pétion avait détruit le Sénat. C'était la destruction du Sénat même qui avait engendré la division des cailles. Maintenant, bon, nous avons dit que la politique a besoin de mesures. Donation des domaines qui visait à rébâillir la terre pour construire une oligarchie. Et deuxième mesure, c'est don des domaines. La Pétion finit par nous la tuer, qu'on y a Pétion pour le faire cadoter. Deuxième mesure, à donner de maintenant, c'est faire cadoter. Qui est Pétion pour le faire cadoter? C'est les généraux. Attendez bien. Pétion décide par général terre. Pourquoi nous dit ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de briser l'armée du Nord. La Pétion décide par général tout commandant terre. C'est dans le but d'attirer les soldats du Nord. Exactement, mouvement de poté fruit. Parce que soldats dans le Nord, ils vont apprendre que soldats Pétion dans l'Ouest, ils gagnent jusqu'à 30-40 carreaux de terre. Pétion va au caille, Pétion fait carreaux de toute bagaille. Il y a une façon pour attirer soldats dans le Nord. Et comme ça, soldats Agona, ils vont sauver, soldats Saint-Marc, ils vont sauver. Pas 200, pas 300, rentrer dans l'Ouest. À cause qu'ils vont apprendre que dans l'Ouest, tous soldats riches, soldats ont besoin de travail pour les riches. Ça veut dire que mesure, ça a Pétion adopté, c'était pour combattre exactement l'armée du Nord. Et finalement, Pétion bail général, commandant. Forme de mesure, ça a été porté fruit. Il t'a pas débouché même sur la mort de Christophe. Où songez, il était à faire Paulin. Paulin, qui est-ce lié? Paulin, c'était commandant de la 8e demi-brigade de Saint-Marc. Mais général Saint-Marc, là, c'était général Jean-Claude. Paulin est entré en rébellion. Soldats Paulin ont pu les sauver et rentrer dans l'Ouest. Et général Jean-Claude relève Paulin pour l'explication. Qui j'ai fait soldat 8e nuit, a sauvé comme ça. Paulin rentre en rébellion. Il n'y a pas jamais qu'à Jean-Claude au bon explication. Et c'est comme ça, Jean-Claude a arrêté Paulin, le voyait par Christophe Lannan. Le Paulin arrive dans le Nord, Christophe fait arrêter, le mettre en prison. Arrêter, le mettre en prison, battre, bien battre. Et finalement, les soldats Paulin ont appris ça. Soldats Paulin, Alsemac, ils ont entré car général Jean-Claude, ils ont coupé tête général Jean-Claude. Là, on fait une coupe tête général Jean-Claude. Comme ils ont connu pas qu'à combattre l'armée du Nord, ils se font voir les combattants. Ils ont touré les Boyer qui sont remplacés Pétion, Pétion mourut le 29 mars 1818. Boyer monté pour voir le 30 mars. Boyer, j'en remettais vite. C'est pour qu'ils sont de travail. Ils ont touré les Boyer, fin qu'ils sont remplacés Pétion, ils viennent de eux. Et finalement, Boyer rentré Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes. Ou ouais, conspiration était déjà là depuis sous Pétion. Eh bien, Messie, ça a été les donations des domaines qui favorisaient les commandants soldats dans l'Ouest, qui attiré les soldats du Nord, de telle sorte que c'est une conspiration en tant que peuple l'armée Christophe. Et c'est ainsi que Boyer rentré Saint-Marc à la tête de 10 000 hommes.
Les Christophe apprennent ça. Nous connaissons Christophe qui est malade. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails maladie. Christophe est tombé dans l'église de limonade malade. Les Christophe apprennent ça. Ils voyaient l'armée qu'on arrive là. Ils dirigeaient par le général Romain à combattre la rebelle de Sema. Le général Romain trahit Christophe. Il passait dans le Cambouaïa. Est-ce qu'on est? Et finalement, les Christophe apprennent que le général Romain trahit. Et c'est comme ça que Christophe, d'après le fait, menait Longchamp dans le palais. Et c'est là qu'il a suicidé tête le 8 octobre 1820. Et le 22 octobre 1820, Boyer est rentré dans le Nord à la tête de 10 000 hommes. Et il a fini avec la scission du pays. Il a pacifié le Nord. Et de telle sorte que la conspiration a sorti exactement dans mesure. Mesure, ça avait été adopté de le pont des domaines, favoriser commandant, favoriser général. Il était voté fait. Ça, c'est la deuxième mesure qui est en dehors de la guerre qui avait pour lui de briser la main du Nord. Exactement. Troisième mesure, les ventes des domaines. Pas oublié. Gouvernement Pétion vient tomber en déficit. Pétion vient bagarre en amène. Lui connaît des divisions, division de la guerre. Ces départements qui plus manger dans la zone Nia. Et les cas étaient divisés. Il a fait la guerre avec la guerre, il a fait la guerre avec la CAI. De telle sorte que le gouvernement vient tomber dans le déficit. Et ensuite, le gouvernement bail tout ça, l'État a été gagné. Il bail tel, bail CAI, il fait général cadeau tel, bail moulin tel. Pétion vient tomber dans une crise économique extrêmement grave. Et c'est là que tu as décidé de vendre. Troisième mesure, c'est de vendre demain. Quel que soit le gouvernement, tu as vendu bien le gouvernement ça en déficit. Et finalement, tu n'as pas de choix. Il est tombé dans le vendre bien d'État. Et c'est ainsi que c'est même que tu as le bras de mourir. Il dit qu'il regrette de ne pas construire la nation haïtienne. Nous disons que Pétion était dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Et deuxièmement, en 1811, après 4 commandants de Pétion, Pétion se fait relire par 5 sénateurs. Comme c'est 5 sénateurs prélés, il était de faire relire. Ce qui signifie que Pétion était un dictateur. Le Minot n'était pas de démocrate. Et maintenant, nous avons abordé un autre gouvernement. Avant nous rentrer dans tout type de questions, tu sais, le gouvernement de Christophe. Le gouvernement de Christophe, il y a un ensemble de détails. Mais il est différent de tout notre gouvernement. Il a saleté fait. Nous avons adopté qui ça Christophe te fait. Nous avons posé une question et nous avons répondu à une question. Et dans la question, ça, on a besoin de toute réponse, quelle que soit la question à poser sur le gouvernement de Christophe là, qui concernait le programme examen classe figure. Et montrer que Christophe était un despote éclairé. Pourquoi dit-on que Christophe était un progressiste? Pourquoi dit-on que Christophe était un roi bâtisseur, un monarque mégalomane? Ouais. Tout ce nom ça va Christophe là, n'a pas le résumé tout non seul et réponse et ou après il y a englobé tout presque toute réponse parce que toute question à poser sur Christophe là bien seul sens. Il a toujours dû montrer que Christophe était dictateur, mais à côté de sa dictature, Christophe était un homme éclairé, c'était un homme très avancé sur le plan intellectuel, quoique l'homme était un illettré. Montrer que Christophe était un dictateur éclairé, un mégalomane, un roi bâtisseur. Christophe était progressiste du fait qu'il était parvenu à reconstruire et à rendre prospère le pays. Là, prend étape par étape qui s'est Christophe et fait. Premièrement, sur le plan éducatif, Christophe construisit dans le Nord et dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Christophe a établi au Cap le centre royal, le collège royal du Cap Henri et le centre royal de l'instruction publique qui remplit le rôle du ministère de l'Éducation. Pour parler sans souci, Christophe transforme en atelier professionnel contre jeune couture, broderie, pâtisserie, etc. De telle sorte que Christophe était un éducateur pour avoir établi dans chaque commune une école primaire et dans chaque arrondissement une école secondaire. Fabien Seboyer pour remplacer Christophe Capral Fermeyo pour l'ouvrir caserne à prison. Christophe, sur le plan et industriel, Christophe établit dans le Nord 3 industries. Une falaiserie, une industrie qui a fait objet en verre, vaisselle, une poudrerie, une industrie qui a fait poudre à canon, ça veut dire poudre pour mettre dans le canon, dans le balieu, c'est Christophe qui fait. Et une fonderie, une industrie qui a fond métal, fond pièce fait pour faire canon. Ça veut dire l'armée du Nord construisit ses propres obus et ses propres pièces de canon. Ça, c'est sur le plan industriel. Sur le plan matériel, sur le plan architectural, Christophe était un roi bâtisseur. Il construisit dans le Nord 15 châteaux et 9 palais. Nous avons la citadelle Lafayette, maintenant qui est devenue très célèbre dans le monde, qui est considérée comme la 8e merveille du monde. Et que jusqu'à présent, il n'y a pas respecté. Je dis à ces pays, c'est qu'a fait la Dominicanie, qui mène tout ici, parce qu'il y a un qui j'ai pour l'exploiter.
la Dominicanie lui-même n'y fait copier avec. Ça, c'est sur le plan industriel. Christophe construit. Pas oublié. Avant d'aller plus loin, Christophe était orgueil. Orgueil, lui, c'était reconstruire le pays. Et en bord de l'autre aspect, sur le plan économique, après la mort de Christophe en 1820, on a dénombré dans les coffres de la citadelle 77 milliards de gouttes en or et en argent. Ça, c'est ça au jeune coffre citadelle-là, à côté des centaines de milliers de tonnes de café, de cacao, de coton. De telle sorte que Christophe était un progressiste, il était bon vision. Christophe était vraiment bagaille pour le pays. Quelle que soit la question à poser sur Christophe, quel que soit Jean Yalé, c'est toujours aspect ça, il va toujours avancer parce que question a toujours de sens ça. Montrer que Christophe était un despote éclairé. Oui, Christophe était un despote. Despote signifie dictateur. C'était un dictateur parce que tout le pouvoir était concentré entre la main de Christophe. Mais un dictateur qui n'était pas comme les mulâtres, un dictateur progressiste. Pétroli, même, il gaspillait tout bien au bail. Famille, bail, Jean-Mille, bail, mille appareils. Christophe conservait bien yo pour le travail au bénéfice du pays. Même si c'était un dictateur, mais c'était un dictateur éclairé parce que t'es bon vision, t'es bon rêve. Tendez ça à Christophe qui dit Amiral Anglais, qui résume toute idéologie christophienne, qui résume toute politique Christophe. Christophe dit Amiral Anglais, sœur Omé, il dit Amiral Anglais, écoutez, c'est le son de tambour. Quelque part, notre peuple est en train de danser. C'est tout ce que nous avons, le tambour et la danse. Peut-être si nous avions quelque chose à vous montrer, vous ne respecteriez. Et si nous avions quelque chose à nous montrer, nous-mêmes haïtiens, nous nous respecterions. Ma vie durant, soyez-en sûr. Amiral, je travaillerai pour bâtir cet orgueil et je le bâtirai de manière qu'il soit visible au noir comme au blanc. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Quelle grande déclaration! Ha! Christophe dit amiral, attendez, on seul bagaille nous vient, c'est tambour avec danse. Nous ne pouvons rien encore. Si nous avons un bagaille pour nous montrer, on monte à respecter. Et si nous avons un bagaille pour nous montrer, nous t'a respecter. Il dit amiral, on m'a dessus. Soyez-en sûr, je travaillerai pour bâtir cet orgueil. Lorsque vous retournerez, amiral, les mêmes monuments que vous avez en Europe, vous les verrez en Haïti. Et pour cela, amiral, je vais briser les reins de mon peuple par le travail. Ça veut dire Christophe Tébore. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Christophe établit une sorte de politique au bénéfice du pays. Christophe avait éliminé le vagabondage. Oui, il a adopté presque le même type de politique agraire avec Dessalines. Sauf que le caporalisme agraire de Christophe était rigide. Christophe te voyait chercher soldats en Afrique qui auraient des royales dans Romain, que le peuple n'a pas pour suivre dans les campagnes. Lors du souper du Boussou dans le Nord, on mettait à chercher le long poste police qui pipe rien, parce que tellement pas qu'il volait, tellement le Nord était contrôlé, était surveillé. Sur le plan économique, il y a un visiteur qui visitait le Nord. Il dit, moi, t'as fait un atelier, tellement pas qu'il y a un monde qui pouvait volter. 17 bateaux viennent acheter dans les ports du Nord, qui sortent aux États-Unis, en Suède, en Angleterre, un peu partout. De telle sorte que le royaume du Nord était un royaume prospère. Mais Christophe a été combattu. Il a été combattu par Pétion. Parce que la politique de Pétion avait un objectif, détruire le royaume du Nord. C'est ça la politique de Pétion. Détruire le royaume du Nord. Et c'est ça que fait. Pétion était éliminé. Que ne pas dire ça. Pourquoi Pétion a éliminé le caporalisme agraire dans sa politique agraire? Non seulement Pétion favorisait mulâtre, il favorisait soldats, mais favorisait le peuple à tout. Il éliminait le caporalisme agraire qui visait à forcer la masse à travailler. Pétion quittait Master. Il va forcer au travail. Il laisse le laisser aller. Nous ne pouvons pas tout donner à Pétion, mais partie ça a nous obligé. Expliquons-nous pour montrer que la population du Nord déserte le Nord, rentre dans l'Ouest, vient de jouer Pétion. Parce qu'il apprend que quand Pétion ne pas travailler, c'est le vagabond d'un monde façon ouvrée, mon entrée sur un tel plan, le gouvernement Pétion. De telle sorte que Louis-Joseph Bonnet, il y a des amis, Pétion dit Pétion, pour mettre l'ordre dans le bagage, Pétion dit tous les hommes sont volés, que voulez-vous que je fasse? C'était dans le but d'attirer la population du Nord. Et toute vagabond qui est rentré dans l'Ouest, qui devine augmenter quand il était vagabond, qui était déjà gagné dans l'Ouest. De telle sorte que Port-au-Prince, sous le régime de Pétion, était un royaume de bandits, un royaume de voleurs, des valises dans les valises. Gros midi, on a dévalisé mon Port-au-Prince. Alors que dans le Nord, le royaume était rigide, la masse était contrôlée, la masse était sous une discipline de fer. Et bien, dans ce sens, ils ont toujours considéré Christophe comme un dictateur, mais un dictateur progressiste. Là, nous considérer sur le plan éducatif, qui ça le fait, combien de l'école limitée, qui ça le fait, là, nous considérer sur le plan et de construction, combien par les châteaux ils construisent. Parce que tu dis à Miguel, l'autre, il nous revient. Mais malheureusement, il a été combattu. Le 15 octobre, le 15 juillet 1720, Christophe tombait à l'église de Limonade. Parce que Christophe travaille en pile. Détail royal de guerre chaque jour. Parce que il y a un travail, il y a une responsabilité. Tout secrétaire obligé par le rapport. Chaque commandant, il mettait dans la commune supposé par le rapport. Et la journée, Christophe rend la justice. Ça veut dire son équipe qui travaille 24 sur 24.
Mais, il vient trop bien, il vient épuisé. Il y a des gens qui disent c'est maladie, mais il y a d'autres qui disent c'est coup de zombie. Mais Christophe tombé le 15 juin à l'église de Limonade, pendant la masse de messe. Là, il tombé, Christophe paralysé d'un côté. Là, on prend Christophe, malheureusement, et le médecin anglais n'a pas arrivé à soigner. Deux semaines passées, Christophe pour Jean Cabon. Christophe voulait chercher un organe pour venir traiter parce que pour le compte ça qui passait. Et finalement, nous te disons superstition. Mais pourtant, Wagan, il envoie un message à l'autre Wagan. Wagan envoie une recette, un message en recette pour votre bali. Wagan dit, messager, et on va parler. Il dit, messager, coupez 4, coupez 4, battez 4. Wagan dit, messager, on est malade, on a des problèmes. Quand Wagan, papa, on bagaille. Il dit, messager, on va parler. On va porter ma main. Trois primes coq, mais faut chaque coq ça a gagné trois fois dans la bataille. Il dit, messager, on va porter ma main. Il y a Pierre Loraille. Pierre Loraille, là, c'est Pierre Noir. Ça va pas être sous forme d'étoile filante. Il dit, Pierre Loraille, là, trois, par exemple, il a dit, trois primes coq, là, c'est pour me faire un noir victorieux sur ennemi. Il dit, Pierre Loraille, là, c'est pour me faire interpellation. Pour me relever l'esprit, pour me relever, pour guérir. Il dit, on va porter. Il y a un morceau de linge trempé dans le sang d'une vierge. Ça veut dire un morceau de toile trempé dans le sang d'un petit monde qui forme le même jour. C'est pour me renouveler sans roi. Il dit, messager, on va porter 3 pointeurs, 4 pointeurs, mais il faut prendre chaque le coin par le roi. 4 pointeurs, c'est pour me déterrer roi. Il dit, messager, on va porter un paquet de fleurs oranges pour me renouveler la vie roi. On va porter un paquet de fleurs vervaines pour me écarter mauvais esprit dans tous les rois. Il dit, on va porter une pièce d'argent de photo roi pour Dieu qui reconnaître. Il doit porter zong, yon gros orteil, yon petit monde qui fait même jour. C'est pour me remembrer ma moi. Recette là, non. Mais femme tout messager, aller la chercher. Il pas jeune Pierre Lorel. Le tunnel dit, Wanga, il pas jeune Pierre Lorel. Wanga dit, malheureusement, wap mou. Et c'est comme ça. Christophe, monton cheval, il apprend que, monsieur yo, les rebelles de Saint-Marc, approchés et que, nèg bon arrivé, rentre dans la rébellion. Christophe monton cheval pour montrer nèg bon envie. Mais pendant la fin exhibition sur cheval là, Christophe peut tomber. Et finalement, là, pendant que Christophe sur cheval là, Nègre dit, ah, monsieur, on va arriver. Mais pendant que je vais faire exhibition, pour lui montrer Nègre la vie, on va sur le temps. Monsieur dit, ah, Christophe, pas de la vie pour lui. Quatrième partie, le gouvernement de Braye. Et le gouvernement de Braye, ne va pas être comme Goubagay, nous a dit. Sauf que, nous avons posé deux questions. Ils ont toujours considéré Braye comme étant donc un anti-nationaliste. Mais nous faisons l'analyse, nous voyons que Braye a quelques petites qualités. Les questions sont toujours parce que vous nous posez, montrent que Braye a effectué des actes, quelques actes nationalistes aussi. Nous gagnons la première période qui allait de 1818 à 1825, non? Parce que Braye remplace Pétion le 13 mars 1818. Première période, ça, Braye a quelques qualités. Braye a fait la pacification de la grandeur. Il y a quatre bagages. Montrez que Braye a fait poser des actes nationalistes. Premièrement, il a pacifié la grandeur. Il a entré Jérémie, il combat Goman et il a éliminé la division. Même si après Braye, ça le fait au combat dans l'intérieur, mais quand même, il fait. Il a pacifié le nord aussi. Il a rattaché le nord à l'ouest. Ça, même si après, ça après son gros coup pour nous, mais quand même, il a éliminé la division. Et il était entré en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes sur la demande de Sanchez, le gouverneur, le leader dominicain qui était le Braye Vinédiel contre l'occupant espagnol parce que la Dominicanie était contrôlée par l'Espagne, c'était la métropole qui contrôle et la Dominicanie. Et puis Braye débarqué en Dominicanie à la tête de 10 000 hommes. Pablo, Dominicain toujours considéré s'est occupé eux et ils ont dit garder Tanyo, mais c'est pas même Haïti. Haïti était une puissance. À l'époque, et tout l'autre pays qui était besoin de bataille, c'est ici au devine. Mais ce qui est important, c'est trois actions qui est considérées comme l'unification du territoire, et bien, fait considérer Braye comme étant donc un nationaliste, parce que Braye avait fait l'unification du territoire. Mais à partir de 1825, le décalage a commencé, surtout avec le Braye décidé d'accepter de payer l'argent indépendance. La pose l'autre question a montré que Braye était un anti-nationaliste. Parce que Braye décide d'accepter de payer l'argent. Braye était un antinationaliste. Premièrement, il a accepté de payer l'indemnité de 150 millions de francs à la France. Deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir à leur place des casernes et des prisons. Braye fait fermer toute l'école que Christophe a construite dans l'Orient, toute l'école en Dominicanie. Et si Dominique a une journée, Braye fait ça. Et puis il ouvre casernes avec prison.
Mais fondou et l'argent pour aller payer la France, c'est une pire gros coup. Et pour moi, être jeune l'argent, ça, il était adopté en deux politique agréable, qui était le code migrant de 1825. Puis, ouais, ça, on sort de politique agréable extrêmement rigide, c'était pour te joindre l'argent, pour être capable de payer l'argent indépendance. On retourne à l'histoire. Et nous sommes que la France, Chaldis, te voyait représentant contre Pétion, elle te voyait représentant tout contre Christophe Lannon. Pétion te recevoir et la vice. Li journal diplomate français parce que li et Chaldis te voyé Franco de Medina contre Christophe Lannon. Et tu te négocier avec qui ça la France te voyait mandé. Li voyait mandé pour rebal Haïti, pour retourner Haïti dans l'esclavage et la France dit la conserver liberté pour seulement les commandants et les soldats. Très bien. Pétion même qui prend pression parce que monsieur Devine avec cette bateau de guerre dans zone là, une flanée. Pétion prend pression. Pétion dit il pas qu'à retourner Haïti dans l'esclavage mais il préfère payer l'argent à titre de dommagement. Pour Colombien, tu as perdu bien pendant la guerre. L'indépendance, ça, c'est Pétion qui te signe. Voyez, sous base, ça, Pétion te dit. Donc, comme c'est Pétion qui t'a accepté pour te payer l'argent, comme il n'y a pas de cocon qui compte, eh bien, d'après le volant représentant et l'autre et groupe qui était dirigé par l'amiral du Petit Trois, l'amiral du Petit Trois, côté, voyez, pour dire, sous ça, Pétion te dit que la France décidait pour payer l'argent. Et c'est la France qui déterminait que faire payer 150 millions de francs. Regardez bien. Mais là, on te voit représentant contre Pétion, on te voit une contre Christophe Tout, Franco de Medina. Il te dit, Christophe Membagala, la France voyait pour aussi pour rebâtir le territoire. Qui c'est Christophe te dit, Franco de Medina? En qualité de grand nationaliste, en qualité d'un homme fort, Christophe dit, Franco de Medina, attendez bien. C'est ça, nous te bataille pour lui. Si la France besoin de reprendre, la prétourner bataille pour lui reprendre, parce que les âmes nous toujours nous emmènent. Ça, c'est une déclaration forte. Ça, c'est un homme fort. Elle dit Franco de Medina, bam, de ça. La France a une grosse mission et ou prend un gros risque. On risque à mener loin. Elle dit Franco de Medina, en qualité de diplomate, nous ne va faire rien parce que nous respectons en qualité de diplomate. Ou son messager, ou pas chef, c'est tout. Mais, elle dit Franco de Medina, il y a quelques bagages à un homme fort, on est obligé de tracer un exemple sur lui. Et, on a tracé un exemple sur lui, pas faute. On est obligé de dire. Pour la France, pas jamais osé le faire ça. C'est ainsi que le mari Franco de Medina, deux bras d'elle, mettait son tête bateau, le fusil, l'enjeu de l'autre bateau, capitaine. Tuer Franco de Medina signifie déclarer la guerre à la France. Christophe déclare la guerre. Et finalement, pendant tout le temps, Christophe n'a pas jamais voulu un représentant. Et finalement, comme il était jeune, faiblesse à la minute, il a retourné et il a l'autre diplomatie, côté Braille, et Braille va l'accepter, payer l'argent indépendant. Que tout Haïtien aujourd'hui a considéré Braille comme une pire gouvernement. Premièrement, il a accepté de payer l'argent de l'indépendance, qui traduit la gênement, la bassesse, et qui traduit aussi une sorte de trahison, parce que c'est des milliers de monde qui étaient dans le sang pour l'indépendance, et deuxièmement, il a fait fermer nos écoles et ouvrir leur place des casernes et des prisons. Et c'est comme ça, on voit des parlementaires pour protester, la jeunesse pour lever campé, ou des jeunes, et Radu Mec et David Saint-Point, des parlementaires, et qu'après, mène un mouvement. Et parlementaire qui va le transformer sous forme de mouvement populaire au cas chez l'habitation Presley, mais se prend réuni. Et finalement, le bras peut être manger l'accès comme général en chef de l'armée du Sud, il va l'intégrer dans le mouvement, et finalement, monsieur décide de marcher sous Port-au-Prince. Boye, l'elle apprend que le mouvement rébellion atteint l'organe, il voyait l'attaquer, et Boye perdu, bataille à l'organe. Et c'est ainsi que le 13 mars 1843, Boye prend et avion l'allée Jamaïque. Ça, et après, il va rentrer en France, Boye prend ici. Mais tant de bagages qui t'est passé, Boye tellement faible. Dans la réunion que tu as faite au Panama en 1826, là, on va inviter Boye. Boye vont l'aide le président américain pour inviter la réunion parce que la réunion ça concerne tout pays libre qui est libre en Amérique. Il va inviter, je vois l'aide la tournée par Boye avec réponse à pas de réponse à faire. Ça veut dire Haïti n'était pas invité dans la réunion tenue au Panama et une réunion qui concerne tous les pays libres de l'Amérique. Pourquoi on n'a pas invité Haïti? C'est le dernier état dit pour ça. Si nous invitons Haïti, l'autre esclave qui est en colonie, nous parlons d'indépendance, ça te fait haïtien bien. Qu'on est haïtien costumé chez ta côte blanc. Si nous invitons Haïti, ça va susciter jalousie des esclaves de nos colonies. Nous n'invitons pas Haïti pour ne pas susciter la jalousie de nos esclaves. Dans nos bagages, il n'y a pas invité Haïti, mais il y a invité Simon Bolivar. Qui est-ce que Simon Bolivar, c'est ici qu'il vient chercher Zambou pour faire la bataille contre l'Espagne. Il a colonisé l'Amérique latine, principalement Venezuela. Et tu recevras le bateau, le balzam, le bal. Technique est exactement l'aller, les combattre, les libérer et le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay,
Il s'est formé avec tout le territoire, ça, la Grande Colombie. Et Simon Bolivar a dirigé tout le territoire, ça, le libérateur, El Libertador. Il a invité Simon Bolivar. Pourquoi? Parce que Simon Bolivar a fait une indépendance anti-métropolitaine. Simon Bolivar conserve encore l'esclavage. Parce que l'indépendance, Simon Bolivar, c'est colon planteur. Parce que Simon Bolivar, c'est ton milieu de travail. Il était un tel de l'esclave. C'est colon planteur qui fait indépendance. Et ça fait indépendance, il semblait avec l'indépendance américaine. Les États-Unis étaient conservés l'esclavage près de 75 ans. Tout. Ils ont fait indépendance en 1776, garde bagage. Ils ont éliminé l'esclavage en 1865, au cours de la guerre de sécession. Et Haïti, c'est le seul pays pour l'indépendance, même joué à éliminer l'esclavage. Parce que c'est l'esclavage qui fait l'indépendance. Aux États-Unis, c'est colons qui ont bataille contre l'Angleterre pour trop taxes l'Angleterre et tout. Et puis ils ont fait l'indépendance en 1776. Ils ont conservé l'esclavage. C'est jusqu'en 1865, sur le temps d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln prend le pouvoir en 1861. C'était mon nom, non. Comme le nom t'a prôné à l'époque, l'élimination de l'esclavage. Et finalement, Abraham Lincoln entré dans la même optique là. Mais les États du Sud, ils ont pas de parce que les États du Sud, t'es encore agricole. Il y a des esclaves pour travailler dans chaque coton, chaque café. Puisque Abraham Lincoln prend le pouvoir, État du Sud, Abraham Lincoln prône l'élimination de l'esclavage. La Caroline du Sud retire le bloc des États-Unis. Et puis, il y a l'autre 10 États qui appellent suivre la Caroline du Sud, de telle sorte que 11 États retirent le bloc des États-Unis. Et puisque ça, Abraham Lincoln n'a pas accepté une telle situation. Il déclare la guerre au sudiste. La guerre commence en 1861 et se termine en 1865. 4 ans, il fait la guerre. Et avec la victoire, Genodiste, Abraham Lincoln gagne. Et finalement, en 1867, l'esclavage est aboli sur tout le territoire américain. Mais il faut que Abraham Lincoln gagne payer pour ça. Parce que quand il y a des bâtiments, il y a des et c'est comme ça qu'on a assisté. On pièce théâtre, non, salle cinéma, non, pas l'air. On a assassiné les bouts qui mettent les amis dans le fond. Tire Abraham Lincoln dans la tête. L'état bien l'hôpital avec les détenus. Parce que, pas oublier, il y a des gens qui ont chaque canon, chaque avion, chaque coton. Il y a éliminé l'esclavage, bah, ça a retombé. Bon, ça va dans l'oisiveté, pas de travail encore. Et c'est comme ça, monsieur Omar, comme monsieur, tu as bien dit. La guerre en 1865, l'esclavage est aboli près de 75 ans. Septième bâti. Nous avons le régime de Napoléon Bonaparte qui constituait la plus grande partie dans la connaissance générale. En 1797, la France nommait Napoléon Bonaparte comme général en chef de l'armée qui va combattre les Italiens. Exactement, il se rentre en Italie, il a combattu les Italiens, il forçait les Italiens aussi à le traité de Campo Formio en 1797. L'histoire, c'est d'Atio Bézopon. De mon compte d'Atio Bézopon, on parle comme ça. En 1797, il obtient des Italiens le traité qui a été signé entre la France et l'Italie. Et il retourne en France après cette guerre en 1797. Et en 1801, ouais ça, et en forme de ça, en 1799, il a pris le grand pouvoir par un coup d'État. Il a renversé le directoire. Le 18 Brumel, ça qui c'est 9 novembre 1799, il prend pouvoir. En 1800, il se fit proclamer consul. Ça, c'est le consulat. En 1801, il retournait parce qu'il apprend que les ennemis de le pays de l'Europe ont formé la deuxième coalition contre la France. La première coalition, c'était en 1793, avec la mort du roi Louis XVI. La France était gagnée première coalition, il va dans le programme. C'est la deuxième coalition en 1801, exactement, qui était composée de plusieurs pays, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et l'Allemagne, tout est dans la première coalition. On n'a pas brisé la première coalition. Il a forcé l'Autriche à signer le traité de Lunéville en 1801. Et faut dire tout, l'Angleterre fait la paix tout. En 1802, l'Angleterre a accepté la paix. Et ce traité de paix a été signé à Damien, qui porte le nom de traité d'Amiens. Et date, compte date bien, traité d'Amiens en 1802. En 1802, tout, la même année, Bonaparte se fit proclamer consul à vie, la même époque. En 1805, Bonaparte, les pays de l'Europe forment contre la France la troisième coalition. La troisième coalition qui était composée de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie. Ici, la France, Bonaparte a brisé la troisième coalition et il a forcé l'Autriche à signer le traité de Presbourg. C'est l'Autriche toujours. En 1807, on forme contre Bonaparte la quatrième coalition. Mais je dois vous dire, en 1804, Bonaparte se fit proclamer empereur. En 1804. En 1807, la quatrième coalition, Bonaparte brise la quatrième coalition, il forçait la Russie à signer le traité de Tilsit. Traité de Tilsit en 1807. En 1808, Bonaparte a envahi l'Espagne. Pour qui ça? Parce qu'en 1807, il était imposé le blocus maritime.
à l'Angleterre. L'Office maritime, ça avait dit demander pour tout pays pour faire commerce avec l'Angleterre. Comme l'Espagne et Portugal, Dieu continue à faire commerce, il envahit l'Espagne et Portugal. Il retire trois noms et il remet trois noms avec un frère qui était Joseph. Ouais, ça, en 1807. En 1808, il envahit l'Espagne et il remet le trône à son frère Joseph. En 1809, ça c'était la 5e coalition. Bonaparte brise la 5e coalition. Il forçait l'Autriche, pour la 3e fois, à signer le traité de Vienne. Le traité s'est signé dans la capitale d'Autriche. Et forme de, à partir du traité de Vienne, l'Autriche avait perdu un tiers de ses territoires. À partir de ce traité, l'Autriche part en mesure pour faire guerre. Le traité de Vienne. Et finalement, M. Pajon Kajon Bout Bonaparte, en 1810, il remarié, il répudié Joséphine, Marie-Joséphine, il marié avec Marie-Louise. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La pays de l'Europe décidait Jean Bout Bonaparte, de Macajon Bout. En 1812, il est appelé formé contre Bonaparte la 6e coalition. En plus, heureux de coalition, sans coalition générale. Tout pays obligé à rentrer dans la guerre. Même si un pays pas qu'à faire guerre, il est obligé de voir quelques soldats quand même. Parce que faut que M. Jean Bout Bonaparte. Et c'est ainsi que Bonaparte t'a pas perdu. T'a pas perdu qui bon? C'est à Fontainebleau. À Fontainebleau, Bonaparte t'a pas perdu, mais ça. C'était le 6 avril 1814. Et finalement, le Tabral exilé à l'île d'Elbe. Il fut exilé à l'île d'Elbe, c'était le 20 avril 1814. Défaite, là, c'était à Fontainebleau.